child, and remember that our target is P10. Repeat, position 10. Green light, go, go, go. C'est là qu'on voit que je jouais à la fin 2018 ces temps-ci. Pas très respectueux de mes adversaires. Et des distances de freinage. Coucou tout le monde, c'est Patou. C'est le A d'Assetto par sa compétition. Et c'est ma 10e reprise. C'est au minimum ma 10e prise de cette course. Parce que j'arrête pas de me planter. Vous dire que je sais pas ce que je vais vous raconter, si je vais pas déjà raconter, si je m'appelle encore moi-même, etc, etc. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos qui expliquent un peu tout sur l'early access. Bon, en deux mots, c'est sorti, ça coûte 25 balles, il y a un circuit de bagnole, la possibilité de courir contre des IA, donc ce que je suis actuellement en train de faire, un leaderboard qui a l'air de plus ou moins fonctionner, un système de rating à la un peu la iRacing qui donc s'affiche en haut à droite là, donc là il bougera plus beaucoup puisqu'il faut a priori que je fasse du hot lap pour me situer un peu par rapport aux gens en général. C'était tendu mais ça passe. Et j'avais même pas vu qu'il y avait une Marco AMG. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme adversaire? Il y a de l'Audi, il y a de la Merco, de la Ferrari, et je crois que c'est à peu près tout. Bon, ce qui donne déjà de la variété sur la piste avec les différents skins. Donc mon objectif est 10e. Ça tombe bien, je suis 10e, j'ai plus qu'à bloquer les adversaires jusqu'au bout. Comme ça va durer 20 minutes, ça va être chaud. Donc on est sur le Nürburgring, je suis en Lamborghini Huracan GT3. On est en fin de soirée, il est 18h37, c'était quoi en haut à gauche. Et mon objectif cette fois, ce sera d'aller au bout sans faire trop le con. Parce que si j'ai appris un truc ce soir, c'est qu'il est... Ce jeu est assez punitif finalement. Peut-être même plus qu'Assetto Corsa. On a vraiment pas trop le temps de se laisser déconcentrer parce que on part vite à la faute. On freine un peu trop tard, on n'a pas la bonne trage et du coup on perd beaucoup de temps où la voiture part carrément. On la rattrape pas. Par exemple, elle n'aime pas du tout les freinages en appui. C'est un peu logique, hein, mais... Ah là, la réaccélération, malgré le TC, faut faire gaffe quand même. J'étais limite. Well done, mate. Trust our best. J'ai pas envie de trop les agresser, ceux-là. Ce virage là faut pas le prendre extérieur. Je crois que la piste est sale.
c'est spin à chaque fois. Un coup sur deux. Oh là. Vous freinez, monsieur. Monsieur Lodi, là. Alors, je sais. Je connais pas le niveau de difficulté des IA, je sais pas à combien on est. Bon, j'ai vu de, sur le net des vidéos où les IA tournaient en 1,54 pour les plus rapides. Moi, je suis plutôt en 2 minutes, donc je pense que les IA sont pas à 100% là. Voilà, c'est un bon petit fight, c'est propre, elle fait pas trop de bêtises. Elle reste accrochée, donc je vais devoir lâcher l'affaire pour les S2. C'est là. Derrière ça remonte, donc c'est bien, bien serré comme course, hein, c'est bien tendu. Ah, ça, parti un peu en sous-virage. En limite, on glisse des quatre roues. Alors, vous voyez pas le volant parce que c'est un peu dommage, c'est vrai. Mais c'est vraiment la vue que je préfère pour sentir la voiture, sinon je suis pas super satisfait. Là, je me sens plutôt pas mal. Alors, c'est moins joli, je pense, c'est moins agréable à suivre. Mais bon, après tout, je joue pour moi quand même. Waouh. Vous savez quoi, j'ai serré les fesses en vrai. De laisser un petit bout de carrosserie à droite à gauche, là, je sais pas. Voilà, là, sur full glisse. Et c'est pas évident de savoir exactement où on en est. On va mettre les phares. Petit tour de propriétaire, c'est pas ça que je vais faire. Je vais dû mettre les phares là. On les verra poindre un peu plus tard. Ça va stun, hein. Ok. Il reste 12 minutes de course. Je suis combien ? 7ème. Plutôt pas mal. Je roule prudent là. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Même si les chronos sont pas terribles. Ça c'est pas terrible non plus, ça, par exemple. Honnêtement, là j'ai serré aussi les fesses. La voiture m'échappe un peu. On a pris un bel écart entre la 6 et la 5. Je parle de place, je veux dire la 6ème, 5ème place. Prête pas si tôt, t'es fou. Il m'a fait peur. T'as pourri mon rythme. Alors c'est bon. On va l'avoir là. Le problème de cette vue, c'est que j'ai pas du tout accès aux vues de côté, donc ça va être que pourra. Je ferai très tôt. Juste assurer le dépassement. Le ciel est assez joli quand même. Non, mais ça doit pas prendre un arrêt de course. Descendre sous les 2 minutes, ce serait quand même pas mal. Parce qu'en étape, je suis passé en 58, je pense. Ce qui est pas terrible, honnêtement, les meilleurs sont 54. Mais... Et voilà, je suis pas partie des meilleurs. Je ne fais pas partie des meilleurs. Et 4 secondes, c'est un peu ce que j'ai entre les top temps et moi. C'est un peu ça en général. C'est beaucoup 4 secondes, mais bon, c'est la vie quoi. Un jeu de Tom and Driver, le GT3 est fait pour moi.
j'étais limite encore. Yellow flag ahead, be careful. Vous avez peut-être entrevu des panneaux de fan attack. Alors pour les euros possesseurs de fan attack, un bel avantage, c'est que les presets sont assez bien étudiés pour fan attack. Pour les volants fan attack notamment. Ce qui permet de configurer de façon très rapide votre volant. Il y a très bonne trouvaille au niveau de la config des touches. Enfin, quand je dis trouvaille, c'est surtout l'utilisation de choses connues, mais pas souvent utilisées, j'ai l'impression. Notamment la possibilité d'avoir une touche Shift qui permet, quand on appuie dessus, plus une autre commande de donner, enfin plus un bouton de commande de donner deuxième assignation à ce bouton. Et la possibilité aussi d'appuyer longtemps sur un bouton pour lui donner aussi une deuxième fonction. Exemple très simple et très parlant, l'ABS, j'appuie une fois, un petit coup je le monte par exemple, j'appuie longtemps sur le bouton, je le diminue d'un cran. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas trop de boutons sur leur volant, pas de button box ou qui sont en VR, ma foi, de pouvoir tout assigner sur un volant dedans. Ce qui est plutôt bien. La possibilité aussi, on peut naviguer dans les menus avec le volant. Donc ça, c'est pour ceux qui ont connu assez tôt Corsa où seule la souris était reconnue, c'est un avantage. Sachant que la souris est bien évidemment possible. Trop mal pris. Yellow flag, be careful there. Alors, je sais pas pourquoi il y a le yellow flag là, mais il se répète. Et voilà. Donc au niveau des destinations des touches, c'est assez sympa. C'est joli, ça tombe pas si mal. Non, ça tombe plutôt bien. Moi j'ai un petit souci avec l'anti-aliasing qui est bizarre. Il y a une option un peu qui s'appelle temporal, je crois. Il y a un bon rendu mais qui rend un peu flou les choses, donc il faut comme l'a conseillé Couli sur le forum, il faut user un peu de super sampling pour atténuer l'effet, parce que si on veut passer en FXA pour comme anti-aliasing, ça devient vraiment moche, c'est super aliasé, c'est dégueulasse. Et je crois que cette option bouffe quand même pas mal de ressources. Alors, je sais pas si ça a donné en VR, mais ça risque d'être très gros, je m'attends au pire. Voilà, lui est tombé de rien. Je peux jouer avec mes phares si vous voulez. Le top du top, on le verra pas là, mais il y a des clignotants. C'est ma foi ça. Je freine, je me déconcentre complètement. Donc il y a des clignotants, et les clignotants c'est quand même la classe quoi. Du coup derrière ça remonte, je fais le con mais je peux savoir qui c'est, mais c'est Sean Leonard, on appelait Sean hein. Cerber Leonard peut-être. Cerber Leonard, c'est assez drôle ça, j'imagine le mix. Bref. J'ai fait faire le con, non? Oui, pas loin en tout cas. La nuit pointe le bout de son nez. Oh, c'est un peu abrupt les changements d'ailleurs. Il y a 5 minutes. Joli les éclairages. Je sais pas si vous avez vu l'éclairage du feu vert sur le bord de la piste. Ah, par contre, ça commence à bouffer en FPS là.
comme cette partie de la ville. C'est vrai qu'il y a pas mal de sources de lumière. J'ai pas trop été voir les settings, hein. J'ai laissé pas mal de choses au max, genre les ombres, tout ça, peut-être que suffit de les baisser pour avoir déjà un boost de FPS, faudrait que je teste à l'occasion. Donc plus probablement je laisse des gens le faire à ma place. Je profite de leur travail parce que pas que ça à faire quoi. Le stress monte. Avec la nuit qui tombe là, la voiture, je sais que t'as une voiture derrière moi. Devant ils sont loin, je suis sixième. Le stress monte. Yellow flag, watch out. Alors on sent que la voiture est quand même beaucoup plus légère qu'en début de course, ce qui n'est pas désagréable. Ça c'est impossible à faire en début de course, on va passer comme ça. Je sais pas si c'est la... l'essence. J'ai peur, je freine beaucoup trop tôt. C'est bizarre de rouler les lumières. Enfin, je veux dire la vraie nuit quoi. On manque quand même de points de repère. Notamment la falaise de Senna, c'est assez chaud de se placer. Dans les temps s'en ressentent. Hein. Ouais, il doit y avoir plusieurs de pneus aussi, mais bon, je crois pas que ce soit ça le problème. Parce que la voiture est plutôt plus performante qu'en début de course, je pense. Mais là, j'y vois rien. Ça éclaire plus fort, mais ça éclaire pas plus loin. Allez, go, go, 34, un tour. Rater le freinage encore. Putain, il n'y avait qu'une flèche verte, maintenant il y en a deux. Quatre flèches rouges, maintenant il y en a deux, ce qui veut dire que... d'autant. Il y en a deux qui me sont suivis maintenant. Ah non, 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 non. Ok, 9ème, je laisse plus passer personne. J'ai dû cramer mes pneus. J'allais juste en haut parler du son. Le son est terrible. Pas terrible au sens très bien et pas terrible au sens affreux. C'est très détaillé, ça...
Fontrait, t'as dit ouais. On entend l'ABS, on entend l'anti-patinage, on entend les suspects, on entend l'embrayage. Tellement de choses qu'au début je... J'étais un peu perdu dans tout cet environnement sonore. Hein. Alright man, the leader is on the final lap. Give me the final push. Donc, je pense qu'il va falloir que je tape un tour de plus. Franchement, j'ai hâte que ça se termine. Je suis crevé. Quand je dis que j'ai hâte que ça se termine, c'est pas parce que c'est une punition, hein. C'est parce que c'est exigeant et je suis fatigué. Il est un peu tard aussi. Un dernier tour, allez. Et si on peut faire des cons. 3, 2, 1, on freine. Un peu jaune si j'étais sur le bord de la piste, que c'est en rapport avec la voiture comme devant, qu'elle est un peu lente. Cette partie du circuit, c'est ça ralentit quand même pas mal. Hein. Je parle en termes de FPS, bien évidemment. Ça fait mieux qu'une 59-8. Hein. Non. J'ai pas réussi à le faire, putain quel con. Mais ça c'est moi quoi. Retour en piste en Europe. Et c'est l'histoire de ma vie ce qui vient de se passer là. Ah cool. Pareil ça mes potes je pense. Ouais, standing c'est sans pas 12e. Hein. J'ai combien de fois. Je suis passé combien de fois cette chicane sans me. Ah, j'ai pas l'air de rentrer. Hop, je suis vraiment dégoûté. Bon bah, on aura raté quoi. Tant pis, c'était Assetto Corsa. Et c'était Assetto Corsa Competition. Et franchement, c'est joli. C'est agréable. On en demande. C'est quand même ballot de se planter comme ça. Oh. Je l'ai à peine touché là, on a perdu. Bon allez, je vous laisse sur là-dessus. Merci d'avoir regardé si vous regardez. Et puis à la prochaine, ciao.